那你相信哪个三点给雨夜几段没有标那你相信这块也几段还有标那俺不一直妈咪几段家里来你再来去哭给你妈咪给要撒个一妈咪几段了Thank you.
Aujourd'hui, pour le culte, c'est institutrice Bagueji qui va prier. Dieu Père, aujourd'hui, merci de nous permettre de louer en présentiel et sans présentiel. Tous les enfants du jardin d'enfants et dans leur famille, que la bénédiction du trône soit avec eux. Et je prie pour le directeur du département et pour les institutrices qu'ils reçoivent la plus grande bénédiction pendant le culte. Et je prie pour Pasteur Kim Gete qui nous prêche la parole, veille sur sa santé. Et aussi, je prie pour tous les institutrices qui relayent la parole. J'ai prié au nom de Jésus-Christ qui est avec nous. Amen. Jésus qui a parlé de la persécution. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu, chapitre 10, verset 42. Ah! Qu'est-ce que c'est? Tout le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est un chiot. Il est vraiment mignon, n'est-ce pas? Et on l'a habillé, ce chiot. C'est tellement mignon. Mais les chiots, les chatons, les vaches, les cochons, est-ce qu'ils peuvent louer Dieu ou pas, ces animaux? Ces animaux ne peuvent pas louer Dieu. Ils ne peuvent pas prier Dieu non plus. Alors, parmi toute la création, seulement l'homme peut louer Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme de cette façon. Seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que seulement Dieu a permis à l'homme de le louer. C'est ce que nous appelons un être spirituel. Seulement l'homme est un être spirituel. Alors, dans Genèse 3, nous voyons que Satan a pénétré dans le serpent, a séduit l'homme. Comment est-ce qu'il l'a séduit? Si tu manges
ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mourras pas, mais tu vas ouvrir tes yeux et tu vas devenir comme Dieu. C'est comme ça que l'homme a brisé la promesse avec Dieu, été trompé par Satan. Il a quitté Dieu. Alors qu'il devait vivre avec Dieu, mais il a été trompé par Satan. Il a quitté Dieu. C'est ce que nous appelons le péché originel. Le péché originel. Le péché originel, c'est que l'homme a été trompé par Satan et qu'il a quitté Dieu. C'est ce péché-là. C'est à partir de ce moment-là que tous les problèmes ont commencé. L'homme est devenu enfant de la colère, enfant du diable. Même s'il essaie d'être gentil, il doit vivre dans cet état, dans ce statut d'enfant du diable, même s'il étudie bien, même s'il gagne beaucoup d'argent. Finalement, l'homme, en tant qu'enfant du diable, il doit vivre dans ce destin, même s'il est très populaire. Il doit vivre dans cet état. L'homme, même s'il fait beaucoup d'efforts, il ne peut pas sortir de cet état par lui-même. C'est pour ça que Dieu a décidé de résoudre ce propre problème. Il est venu lui-même. Il a ouvert la voie du salut. La postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. C'est Dieu qui a envoyé le Christ pour briser l'autorité du diable. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable ont été brisées par le vrai roi. Comme je vous ai dit que l'homme a quitté Dieu, on appelle ça comment? Ce péché? C'est vrai, c'est le péché originel. Alors le Christ qui n'a pas de péché, il est venu sur terre. Il est mort sur la croix à notre place. Et tous les problèmes de péché, il a résolu. Le vrai sacrificateur. Nous devons connaître Dieu en tant qu'homme, mais il a quitté Dieu. Il est devenu enfant du diable. Puisqu'il vit en tant qu'enfant du diable, quoi qu'il fasse, même s'il fait beaucoup d'efforts, il n'a pas de bonheur. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que sauf par moi. » Alors, il est la voix du salut, le vrai prophète. Alors, si nous possédons cet évangile en tant que remnant, alors, quand nos remnants vivent,
quand il y a des difficultés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dans la Bible, nous voyons des remnants qui ont triomphé dans les difficultés. Nous allons voir ça ensemble. Alors, dans les grandes difficultés, il y a des remnants qui ont trouvé la réponse de Dieu. Nous allons les voir. Joseph, depuis son enfance, il n'avait pas de maman. Alors, sa mère a été rappelée par Dieu. Elle est allée au paradis. Alors, Joseph, dans la solitude, comment il a pu triompher? Joseph, il était remnant qui priait Dieu tout le temps. Et vous aussi, comme Joseph, partout où vous êtes, vous devez prier Dieu que je prie que vous allez devenir remnant comme Joseph. Joseph a saisi l'alliance de Dieu. Il priait tout le temps. Où il a vu un plan étonnant de Dieu. C'est comme ça qu'il est devenu le sommet spirituel. Alors, Dieu lui a donné le rêve de l'alliance de l'évangélisation mondiale. Son père Jacob a gardé Joseph de façon spéciale parce qu'il avait l'alliance de l'évangélisation mondiale. Mais les frères de Joseph étaient différents. Ils étaient plutôt jaloux de Joseph que leur père adorait. Les frères de Joseph, ils ont essayé de le tuer. Ils l'ont mis dans un trou. Non seulement ça, ils l'ont vendu comme esclave. C'est comme ça qu'il a vécu des grandes difficultés. Joseph a vécu ça. Alors, les remnants, vous devez voir les choses de tout près. Toutes les difficultés de Joseph. Dans toutes les difficultés de Joseph, il y avait le plan de Dieu. Et c'est Dieu qui accomplit le rêve de l'Alliance. C'était la conduite de Dieu pour accomplir le rêve de l'Alliance à travers Joseph. C'est vraiment mystérieux, n'est-ce pas? Il a été vendu en Égypte chez Potiphar. C'était lui qui gardait le roi. Tous nos remnants, souvenez-vous que dans une grande difficulté, il y a toujours la réponse de Dieu qui est cachée. Dieu nous conduit précisément. C'est l'identité des enfants de Dieu qui sont sauvés. Joseph, tout ce qu'il a vécu dans toutes les difficultés, Dieu était avec lui. Joseph, dans ses difficultés, il a prié l'Éternel Dieu. Et la Bible relate comme ça.
L'Éternel était avec Joseph et il a prospéré dans tout ce qu'il a entrepris. Alors, dans les grandes difficultés, il a trouvé la réponse de Dieu. Ce remnant, encore un autre remnant. Mais toi, tu te bats avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je suis venu au nom de l'Éternel des armées que tu insultes. David a vaincu Goliath. Et il a sauvé le peuple d'Israël et c'était un remnant. David a reçu des réponses, mais aussi il a vécu beaucoup de difficultés. Alors, pour sauver les enfants d'Israël, il devait être content. Mais le roi Saül était jaloux de David parce que les gens aimaient David. Il était vraiment jaloux. Il a tout fait pour tuer David toute la vie. Il a poursuivi partout. Alors David était en train de dormir. Il a envoyé des soldats pour l'attraper. Mais David s'est sauvé tout de suite. David a évité roi Saül et les soldats. Il devait vraiment errer pendant longtemps dans ces grandes difficultés. Comment est-ce qu'il a prié Dieu dans ces difficultés? La prière de David. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait me reposer sur de verts pâturages et il me donne près des eaux. Mais même si je suis dans la vallée, les ombres de la mort, je ne perds de rien parce que l'Éternel est avec moi. Et son bâton et sa verge me réconfortent. Et toute ma vie, alors par sa bonté, sa miséricorde, et je le suivrai et je resterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Finalement, David est devenu le roi d'Israël et il a pu construire le temple de Dieu qui était le désir de Dieu. Tous les remnants, souvenez-vous que dans une grande difficulté et des gros problèmes, il y a toujours la réponse de Dieu. Jésus a dit, sur le chemin de prêcher la parole, l'évangile, les démons sont chassés et les malades seront guéris. Et puis,
et même nous allons subir des persécutions et des difficultés. Les disciples de Jésus, dans les difficultés, ils ont compris qu'il y avait le plan de Dieu. Ils ont cessé l'alliance et ils ont triomphé. Alors, c'est la parole du Seigneur Jésus. Dans le monde, vous serez persécutés. Mais prenez courage, parce que j'ai surmonté le monde. Les enfants de Dieu qui sont sauvés, les remnants de Dieu, partout où vous allez, c'est Dieu qui est avec vous. Alors, tout le monde, ensemble, suivez-moi. Dieu est avec moi. Encore une fois, Dieu est avec moi. Dans toutes les difficultés, il y a la réponse de Dieu. Donc, partout, vous allez vous réjouir de la prière en tant que remnant au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, et nous allons chanter la chanson Je suis qui connaît l'amour de Dieu. Adorateur de Dieu qui connaît l'amour de Dieu.
les bulles de joie, le temps du sommeil. Tiyun. Ce samedi, c'est quel jour? Est-ce que tu sais? Bien sûr que je sais. C'est le camp d'été de Remnant. Ouah! C'est vrai, hein? C'est Dieu qui nous donne l'alliance. Nous allons saisir cette alliance et nous allons aussi faire les chefs-d'œuvre de l'Évangile ensemble. Waouh! C'est vrai, ça serait vraiment excitant. Alors, pour le camp biblique d'été, nous allons nous préparer par la prière. Nous allons avoir cette prière ensemble, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Mais comment? À partir de maintenant, nous allons faire le calendrier de Georgie pour nous préparer pour le camp biblique d'été. Qu'est-ce que c'est ce calendrier de Georgie? Comment il faut faire? Montre-moi. Nous allons faire le calendrier de Georgie en pensant au camp biblique d'été. Le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, le calendrier du jour J. Ce qu'il faut préparer, nous allons voir ça ensemble. Des papiers en couleur, un cahier, un gobelet et aussi tige et aussi son goût desséché et aussi des matériaux aussi bien que le pointeau poinçon. Nous allons faire le trou en bas du gobelet, faire un trou comme ça pour mettre la tige. Nous allons couper et puis la tige et puis coller la tige courte en haut et puis nous allons décorer le gobelet en papier. Nous allons aussi la carte de chiffres. Sur le cahier, nous allons aussi dessiner 7 ronds. Dans chaque cercle rond, alors nous allons écrire les chiffres jusqu'à 6 et puis décorer chaque chiffre. Selon les lignes, nous allons couper les cercles. Nous allons mettre le cercle sur le papier en couleur et puis couper. Nous allons laisser un petit peu la partie en haut et puis couper.
mettre le trou en haut du papier rond. Ah, nous allons mettre les cartes de chiffres de 0 jusqu'à 6 sur la tige. C'est le chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Le calendrier du jour J, c'est fini. Tous les jours, nous allons changer le chiffre. Et nous attendons le camp biblique d'été et prier pour le camp. À travers le camp biblique d'été, que la parole soit bien imprimée en nous. Que tu agisses, Seigneur, pour que nous puissions construire les manuels pour l'émission de 237 de la mission et du sommet. Jusqu'au jour du camp biblique d'été, nous devons prier pour ces deux sujets de prière et nous nous préparons. Un instant. Ce n'est pas la fin. La maison où nous allons faire le camp biblique d'été, il faut décorer la maison. Ouais! Et notre maison sera une grande fête. Avec toute la famille, nous allons décorer la maison. Alors, nous allons tous nous retrouver samedi au camp biblique d'été. Avec le battement du cœur, nous allons préparer. Dieu Père, aujourd'hui aussi, tu nous as permis de te louer. Merci pour ta grâce. Les offrandes que nous avons données aujourd'hui seront utilisées pour construire le temple où les personnes des 237 nations viennent recevoir la formation, où les malades seront guéris, là où les remnants sont établis comme sommet, que ça soit utilisé pour ces alliances. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous les remnants qui trouvent la réponse dans les difficultés. Ils vont sauver 237 nations et cette époque. Et tous leurs parents et les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.